Monsieur Fedorovski, bonsoir. Bonsoir. Racontez-moi, est-ce que sans Mikhail Gorbatchev, il y aurait eu fin de la guerre froide, glasnost, perestroïka, cette tentative de réforme importante du socialisme et de l'URSS? Pourquoi tentative? Gorbatchev reste un géant du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a contribué à une grande percée vers la liberté, à un monde équilibré. C'était une chance historique pour les Russes de réformer leur pays, mais aussi pour les Occidentaux de créer un monde équilibré. Je pense que son départ, c'est un moment aussi, il nous rend service presque avec ça. Sa dernière phrase, il nous a prévenu que le monde n'était jamais si près de la guerre mondiale, si près de l'apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, on est près de ça. La responsabilité de ça, vous savez bien, avec mes origines ukrainiennes, j'étais toujours critique envers Poutine, mais ce n'est pas seulement ça, c'est le fait que l'Occident n'a pas saisi cette chance autrefois dans le post-communisme, qu'il a trahi les promesses de Gorbatchev, notamment l'élargissement de l'OTAN. Tout ça, ça a contribué à la crise que nous vivons, qui est une crise absolument terrible. Les Russes détestent aujourd'hui Gorbatchev, mais ça ne veut rien dire. Il restera un personnage de l'espoir. Simplement, tout le système qu'on a construit, le système des accords, des équilibres des intérêts, n'existe plus. Je pense que l'équilibre des intérêts, c'est un mot qui doit revenir à ça. Arrêter, je parle aux Russes, mais aussi aux Occidentaux, arrêter ces postures va-t-en-guerre, chercher la paix et pas la guerre. C'est ça le message de Gorbatchev. Je reviens sur une des choses que vous avez dites. Il a tendu la main, il a cherché la paix. Il a d'ailleurs gagné le Nobel de la paix, il faut le rappeler quand même. Mais il s'est senti trahi en voyant que l'Ouest, l'OTAN, grignotait trop de ce territoire de l'ancienne URSS. Alors, non pas qu'il regrettait son geste de paix, mais il s'est dit que ça ne devait pas être comme ça, n'est-ce pas? Évidemment, mais l'Occident, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la bêtise occidentale, vous savez, dans la politique. Vous savez, il suffit de regarder la télévision que vous représentez si bien. Regardez la télévision et comparez les gens comme Mitterrand, que c'est bien connu, même Chirac en France, les vôtres, les gens, les Américains, tout ça, et comparez ça avec les gens d'aujourd'hui. Le message de Gorbatchev, c'est le message de recherche de la paix et de l'équilibre des intérêts. Ce n'est pas du tout le message des va-t-en-guerre. Et, bon. Vous savez, vraiment, la médiocrité de la période actuelle saute aux yeux. Alors, avec son départ, regardons dans le miroir, recherchons la paix et pas la guerre. Monsieur Fedorovski, il y a des gens qui changent le cours de l'histoire par leur action. Churchill, j'en parle souvent. Est-ce qu'il avait le choix de faire ce qu'il a fait? Est-ce que c'est par volonté, par courage, par ténacité qu'il est arrivé à prendre cette chance-là de dire « je vais serrer la main à l'Ouest, je vais bâtir ce pont vers la paix, vers la fin de la guerre froide ». Est-ce que son rôle personnel a été important, primordial? Évidemment. Regardez ces images de Trudeau, un grand Trudeau. Regardez mon ami Yakovlev à côté, qui était ambassadeur au Canada, inventeur de la perestroïka. Regardez ces gens-là. Réfléchissez un tout petit peu et vous posez, monsieur, une question très, très grave. C'est sa volonté qui a changé les choses. Ça aurait pu durer encore des années avec l'URSS. Ma femme dit, à l'époque, Gorbatchev, elle a tendu la main à l'Occident avec le cœur. L'Occident a pris le cœur et il a refusé la main. Et on paye très cher avec ce qui se passe. Je voudrais prévenir vos spectateurs, vous comprenez? Vous ne le faites pas, heureusement, mais beaucoup de gens en Occident mélangent la propagande et la politique réelle. Poutine, il mélange la politique, la propagande et la politique réelle. Gorbatchev ne le faisait jamais. Et c'est pour ça qu'il restera comme un géant
du XXe siècle. J'ai eu la chance de connaître Jean-Paul II. Jean-Paul II, lui, c'est ton message pour la paix. Très évidemment, bien. Trudeau père aussi, on n'oublie pas. Très bien. Monsieur Poutine se sert de ce déclin de l'Empire comme étant un moteur idéologique dans sa guerre en Ukraine. Dans quelle mesure Gorbatchev ne lui a pas donné l'occasion d'aller à fond dans cette théorie de la revanche? Non, la théorie de la revanche, vous savez, je vais vous dire, il ne faut pas construire les narratifs. Ce n'est pas la théorie de la revanche. Poutine reflète une grande blessure de l'opinion publique qui a pensé qu'il était prêt à 80% d'aller vers l'Occident. Il s'est senti trahi dans ses dispositions. Et Poutine, évidemment, il sort, il construit quelque chose en sa faveur pour la propagande. Mais vous comprenez, Gorbatchev n'est pas le seul fautif. On dit souvent qu'il était naïf. Je tiens à vous dire, c'était quelqu'un qui était volontaire et simplement, il a eu une sorte de volonté orientée vers l'avenir. Mmh. On n'a pas saisi cette chance dans le moment de post-communisme. Je pense que c'est le dernier service qu'il nous a rendu, qu'il a prévenu que le monde aujourd'hui est au bord de l'apocalypse. Réfléchissons ça, éloignons-nous de la propagande. Et je tiens à vous dire, vous qui êtes un grand journaliste, et vous ne le faites jamais, mais hélas, non seulement Poutine, mais le journalisme occidental tombe aujourd'hui dans la propagande éhontée. Très bien. Quelques secondes avant de vous laisser aller, M. Fedorovski. Il a aussi, avec la glasnost, il a fait libérer des gens, il a mis plus de liberté dans la société. À l'époque, ça, ce n'est pas rien non plus. Il faut quand même le souligner, là. Évidemment, vous dites qu'il a dû plus la liberté. Vous savez que la liberté de la presse, c'était unique dans l'histoire de la Russie, ce Gorbatchev. Ouais. Ça n'a jamais existé comme ça. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose de très grave. Moi, je vis en Occident et je ressens profondément, non seulement avec Poutine, la liberté de la presse est verrouillée, mais je tiens à vous dire, ici en Occident, nous avons un grand problème de la dictature de politiquement correct. Le message de Gorbatchev, c'est de sortir de ça, voir les vrais enjeux. Le vrai enjeu aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est la paix. La paix, la recherche de la paix. Qui en parle en dehors des sages, dans des sages comme Kissinger ou Jeffrey Sachs aux États-Unis? Voilà. Et vous dites, les leçons de Gorbatchev, elles sont aussi importantes pour Poutine que pour l'Occident, que pour l'Ouest également. Vladimir Fedorovski, on va se reparler parce que bientôt on va se reparler. On va refaire le point sur cette guerre en Ukraine ensemble. Je ne sais pas quand, mais on va le faire bientôt. Nous, quand on est vous voulez, parce que vous savez, je tiens à vous dire aussi, vous prévenir, comme je suis ukrainien, je vais vous dire, vous savez, l'intérêt de l'Ukraine, ce n'est pas la mode de dire que on est dans l'impasse. Personne ne cherche la guerre. Personne ne cherche la paix aujourd'hui. Vous comprenez, on est dans la va-t-en-guerre dans tous les côtés. Et avec mon expérience, puisque j'ai participé comme fossoyeur du communisme et de la guerre froide à ce processus, je tiens à vous dire qu'il faut être très pointu dans l'analyse. Très bien, on tentera de l'être. Éviter les approximations. On tentera de l'être. Merci beaucoup, comme toujours, à bientôt.